Pa-pa-da, partie 13. De tourner quasiment la même journée. Talion a tué un noble, Doric. C'est pourquoi sa vie appartient désormais au Gondor. Père, si tu livres ce fils que j'aime, je jurerai que j'ai tué le seigneur Asgon quand il m'a attaqué. Nous sacrifierons tous les deux notre vie au Gondor. Le Gondor. Mordor, Gondor, Sauron, Nenini, Nani, dans son main, tout le monde est là. Bon. What? Ok. Duel. Faites attention qu'il y a votre passant à porte le duel. Gros blic contre Rash. Et on va aller l'aider tout de suite. What? Yeah, what? I know what are you? Terrible. Some that I mean. Oh no, fuck, I go. Oh fuck! Don't go! Ah! What? Ow! The fuck! Il m'a ramassé dans les jambes. T'es vraiment mon gars, t'es vraiment mon gars. Fermez-la un peu. Yeah! Wow! Je vais t'aider, Guru Blick, parce que Rashi a l'air fort. Wow, il t'en veut! What? Mais je le veux? Imbécile! Combien de temps avant le début du combat? Sale vermine! Espèce de sale maudite petite Shrek puante! Je vais te botter de tout cac, espèce de Shrek de rac! Let's go. Let's bat. Ah ah ah, ça marche. Ça marche, ça marche. Oh non. Oh. C'est comme un peu short term. Oh, tu peux pas sauter dessus non plus. What? Oh, on est dans le même camp. What? Yo. Ok. Non, je ne vais pas traîner ici. À la prochaine fois! Repli. Duel terminé. Mon doux de gagne. Victoire. A fui. Mais là, il a fui, mais moi, je le veux. Fait que tu vas venir ici. C'est une espèce de Shrek. Limace! Non, non. Allez, ça va m'être utile plus tard. Je vais devoir retourner à l'avant-poste du bout. Ma force a grandi. Il y a trop d'esclaves qui transitent par là-bas. Wow. Bon, il manque des rouges puis des verts. Pas rien, hein.
Secrète tout à l'heure. Pas si secrète que ça, si tu es au courant. What? C'est une drôle en plus. Les humains me trouvent dur. Mais attendez qu'il y en ait un qui prenne la fuite. Prochain combat, je vais tuer tellement de clubs que le capitaine me récompensera avec plus de grog que je peux en voir en une journée. Impossible d'allumer une torche ou j'exploserai. Quelque chose vient de bouger par là-bas. Esclave, prends la fuite. Sale paix. Je vais te tuer. S'il revient, il est mort. Le capitaine veut éliminer tout un peu le tronc de vous avez entendu. On est trop nombreux. Bon, le capitaine est à cran. Il dit que ça sent les gules dans le coin. Sept Adelas. Quelle pierre magnifique. Cette tour renaît comme moi. Quoi? Trois arcs, une dague? D'abord, ouais. Pas trop de mystère ici, d'arc. Un artefact traite, là. Si on manque de bois pour faire des carabas, tu es un homme mort! C'est vrai, c'est la pièce du royaume. D'accord, mais du royaume du Condor. Si tu n'en veux pas... Je n'ai pas dit ça, capitaine. Mais je préférerais plutôt ce tissu elfique que tu as ramené de l'Érégion plutôt que toutes ces pièces. Je pense que c'est possible. Un tissu elfique. Excuse me.
Larry. Tess ne sauvera pas le Gondor. Ces Uruks se moquent des breloques. Sauron utilisera l'or pour s'acheter des alliés parmi les royaumes des hommes. Un autre artefact là. De l'artefact. Les rougies. Un cadavre. Point. Point. Hey. Point. What the freak? Wow. Fallait que je me mette à côté. Au moins ça a pété. Cette gravure est remarquable. Devant, je nous ai représenté en train de tuer ce Mumak. Et au dos, notre prochaine proie, le puissant Grog. Bête pareille fait la légende d'un chasseur. Fais-moi voir. C'est magnifique, hein? Tous ces détails. Regarde comme je frappe la bête puissante. Du sang partout. Hé hey, pourquoi je suis représenté en train de fuir terrifié devant le Mumak? Liberté artistique, enfin. Si tu veux être le héros, t'as qu'à graver le dessin toi-même la prochaine fois. Allez, va-t'en. Ce Thorvin ne semble avoir aucune limite. Il n'est pas du genre à attendre que son destin le rattrape. Il se précipite à sa rencontre. Tabarouette. M'en manque plus ben ben, là. Un arc! Arc, arc, arc! Ah ben, la légende de mon arc, elle va être proche de la fin. Il me tape tous sur les nerfs. La flamme secrète. L'avant-poste qui fait remplir les armes sandales et les éloignées également d'autres créatures dangereuses. Allez, ça, les uns comme les autres. Pénétrer dans la grotte. Dégule. Tirer des gules vers les gars. Faut que j'aille là-bas. Amenez vos bandes de gules! Hi-ha! Nyaou! Au maximum 5. Non.
Ah ouais. Amenez-vous-en, petite gueule. Wow. Merde! Bah, moi j'ai eu l'émission. Ses assaillants jusqu'à un piège explosif. Dans les dents. Ça se bat pareil maintenant. Wouh! On va courir. Mission de Dag. Sur le camp ennemi, tard dans la nuit. Oh yeah! Marquez effectivement les défenseurs. Les archers peuvent tuer de tellement loin que leurs cibles n'ont même pas le temps de les voir. Caragors ne me font pas peur. Le prochain que je vois, j'essaierai de le chevaucher. J'ai
J'aime pas ça. Quand on marchera hors du Mordor, on traquera ce qui reste des elfes et on les massacrera tous jusqu'au dernier. Un jour viendra où plus personne ne se souviendra d'eux sur cette terre. De la Rondor au Rovanion, il ne restera plus que des Uruks. T'étais où quand le Conseil Blanc? J'entends des choses. S'il revient, on lui fera la mort comme d'habitude. J'ai déjà vu le nouveau capitaine. Non, mais il n'a pas l'air de plaisanter. Ça ne peut pas être pire que le dernier. Si Bob m'a poignardé dans le dos, je l'aurais fait. Les humains ne peuvent pas survivre au combat. Je peux survivre à tout, même à une attaque de l'immense. J'ai vu quelque chose. Mes yeux sont les tiens. Ah ben. Une bannière déchirée. Elles ont dévoré toute la patrouille et son drapeau.
Tu vois ces toiles? Ce sont des araignées, ces immondes créatures. Elles viennent sûrement de la vallée, dans le sud. On devrait décamper. Tu ferais mieux de la fermer. Personne ne revient jamais de cet endroit. Je me demande si elle travaille pour Arachné. Sauron la nourrissait avant, mais elle doit plus se souvenir à qui elle appartient. Il est grand temps de le lui rappeler. Arachné. Oh, ces araignées rampent en dehors des murs. Elles semblent maléfiques. Les descendants d'Ungoliant. Ils dévorent la lumière comme des affamés. Quoi? Vous avez entendu? Battez-vous, sinon pas de viande! All God. Dégâts par explosion. Dégâts par attaque à distance. Garde du corps sont en ma possession. Ha 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 ha! Hello, well. Chasser, c'est comme combattre. Je me fiche de qui se tue. Regardez la créature pour chasser ses ennemis, c'est sûr que c'est vous n'avez jamais la sécurité de votre fortress.
Allez, le gros, tu l'es. Wow, mais c'était stylé. What? Eh, j'ai fini mon arc. Là, c'est lui. Ah, oh, c'est en haut. Ça a écrit sa légende. J'ai fini la légende de mon arc. Yes. Yeah. Wow. Ici, un, deux. Un souffle de zone. Tabarouette. C'est bon, on va y mettre. Tire à charge flamme d'axe. Ça, c'est chaud pour me mettre bientôt. Désarroi. 20% de chance de provoquer un souffle des ondes en tirant des orbes à la tête. Les autres sont toujours toutes fortes. Mon arc est fini. Encore un point. Asgard, un voyage terminé. Sa force est à son apogée. On l'essaye. Ce serait pas pire d'avoir un autre choc de guerre. Cet Uruk compte pour le chef de guerre. Tue-le et attends que notre ennemi se montre. J'ai vu combattre tout à l'heure. C'était pitoyable. Drac. Ah ben, ben. Peur de brûler, peur de l'immortel. Ressent de la terreur face à ta lion. Tabarouette. Le froussard, un petit peu beaucoup. Bon, le dieu. Oh, le point du sable. Les chefs de guerre n'ont pas l'air préoccupés par le parc. Alors je vois pas pourquoi on pourrait s'en faire. Les hommes ont eu leur heure. C'est à notre tour de dominer le monde. Gosseux!
Ah ouais, il est pas une chose pour personne. Ne résiste pas. Yes. Ben, au moins ça raison de plus. Ah ouais, bon, Dominique. Regardez, ce sale humain. Mais wow. Je vois pas ton prénom. Ah, il passe. Et out. Rook Doug. Rook Doug. Doug Doug, c'est pas vraiment pas ça mal, là, ce loup. On va t'arrêter en sortie. On va aller. Bon. Pourquoi c'est le boss qui avait pas des caracas? Ah, flèche de brutalise. Ah. Quel grand manquement. Triste. Cet Uruk compte pour le chef de guerre. Tue-le et attends que notre ennemi se montre. Oui, oui. Ah mais je vais pas le tuer, mais je vais le pogner. Non!
jamais laissé un pot rose en vie. Bah. Même si ça prend beaucoup de temps. Vous avez entendu ça?
vas recruter des partisans, mon petit gars. Tu vas prendre la place, chef de guerre, barbe de métal. On m'en va te promouvoir. M'en allions promouvoir à un grand avenir, mon petit orque. J'ai bien entendu quelque chose. Ah, c'est bon. Je freine sur le drone. La tête me joue des tours. On aura autre chose à tuer, ne vous en faites pas. Jamais. Le rover. Je le tiens. Frappez-le au sol. Ah ouais, je peux te faire un peu. Oui, c'est. Tuez les traîtres. Pardon. Ça je pensais. Ah ouais, faut recruter des partisans. Monte en pouvoir, barbe de métal. Bon, ben, c'est H. On sera plus fort en se serrant les coudes. Et travaillez pour moi. Tu te crois fort? Prouve-le! C'est qu'il y a de l'aide. Rejoins à toi. Inutile de nous tuer aussi. Mira, ça te fait que Mira. Préviens-moi quand t'es sûr de ton coup. Je sais pas ce que c'était. Sans doute rien. On va voir qu'on pourrait se battre autre part alors. Vous avez entendu ça? Vous feriez mieux de venir avec moi. Qu'est-ce que t'as de si spécial? Wouhou!
un autre chef de garde. Wow, puis il y a trois gardes du corps. Wow, ils sont malades ces gardes du corps. Lui, lui, tabois. Let's go. Hey, lui, là, il a essayé trois gardes du corps. Là. Chewbacca, le traqueur d'homme. Ça n'est un que j'ai pas, ça. On va essayer d'être pogné au menu. Je suis quand même content d'être dans ce camp. Coucou! Je tiens! Ça veut dire. Amusez-vous! C'est l'heure du festin! Buvez et mangez tous! Oh, j'ai peur de brûler, ah ouais? C'est-tu pas assez beau, ça? Armeux d'arc. Moi je serais pas celle-là. Cette tour s'étend de d'hier à demain. Je continue à vivre dans ces pierres. Et c'est...
Le remède. Tyria a besoin de votre élixir qui est de sa mère. Ocbur brille serment. C'est lui. Ah ben. On va aller chercher une chambre de guerre. Notre ennemi se cache derrière ses boucliers. La tête bleue là! Tu t'attends pas à ça, mon gars! Krakor! Ça, c'est le mien! Toi! Ogbur! Pas des grog! Des gars à distance, des gars en mêlée! Suis mes ordres. Yes! Good job, Hunter! Il a lancé une lance. Chef de guerre. J'ai une belle lame brillante pour toi, Krakor. Good job, mes gardes du corps, vous avez bien fait ça. Thank you.
Ouais, nice. Continue de l'aiguiser. Le fer de ta hache doit devenir assez tranchant pour couper un poil de ta barbe en deux. Oh, il est assez aiguisé pour tuer un Grog. Allez, passe-moi la pipe. Assez aiguisé, ce n'est pas suffisant pour la chasse, frérot. Tu dois apprendre à respecter la chasse. Il faut un bon fer pour tuer proprement. Sans respect pour la bête, on ne vaut pas mieux que les orques. Allez, restons là, maintenant. Pardurin, je pourrais prévenir avant d'arracher des poils de barbe à un an. Regarde ça, Thorvin. Le poil est coupé en deux. Tout n'est pas perdu pour toi. Ce nain ne connaît pas la peur. Je ne sais pas si c'est du courage ou de la bêtise. Ou les deux. Il n'a pas peur de la mort, mais des choses bien pires l'attendent dans le Mordor. Y a quelqu'un ? Oh yeah! Ces trois-là sont devenus ses gardes du corps à lui. What the... l'aider un peu, trouver le remède pour sa mère. Rien ici. J'ai du rire. Il m'a toujours fait. Let's go. Je me moque des risques. C'est pour le bien-être de la reine. D'un matériel, il ne m'a attaqué le camp me paraît peu judicieux. Il est avec nous. Il panique. Je n'ai pas le choix, Talion. J'ai besoin de cet élixir. Même l'étranger dit que c'est de l'inconscience. Je sais qui elle te rappelle. Le dessous n'est pas toi. Assez. On attaque comme prévu. Moi, je vais m'occuper des orques. On pourrait vous suivre discrètement. On prend le remède et on s'en va. Le magicien blanc a une mauvaise influence sur la reine. Seule la furtivité peut dégager la voie à l'Itariel et ses hommes pour qu'ils trouvent l'élixir. L'émotion t'égare. Prendre des risques inutiles ne sert à rien. Ce remède va libérer l'esprit de la reine et nous apporter des réponses sur ton passé. Puisse la vérité justifier notre alliance avec ces gens. Ce capitaine est un vrai roc, mais il paraît qu'il a volé dans les ronds. Éveillez ce qu'il leur reste si vous voulez une récompense. Les archers sont des vols. C'est ce que dit Gorgo. S'il faut qu'ils expédient autant de nourriture, ça en dit long sur la taille de nos armées.
débarrasser les trois zones de recherche sans déclencher l'alerte. Ok. Je déteste les esclaves. J'aime pas ça. Rock pour aller à leur poursuite. Ah, je me suis fait de faux espoirs. Au boulot. J'entends des choses. Moi qui comptais sur un petit combat. Comment ça se fait que tu n'as pas touché à ta viande d'esclave tout à l'heure ? Juste, je dois perdre la boule. Lave-toi les oreilles. T'entends toujours des choses. Ah, sans déclencher l'alerte. Si je peux, ok. Je sais pas ce que c'était. Sans doute rien. Non. Luga. Qui rôde dans le coin. Sûrement des rats. Rodeur ! Tu ne fais pas de mine de l'extérieur. J'ai hâte de voir l'intérieur. Savoir qu'elle prendra tous les risques pour protéger leur reine. Elle sait que sans la clé de voûte, l'arche s'effondrera. Nous salir les mains avec le sang des Uruks quand un Karagor peut le faire à notre place. Karagor ressemble à l'odeur d'un homme lâche. Il me suffit de ramener un Karagor pour que tout l'endroit sente le fumier. Je pense que ça vient de toi. Donnez le signal. Allez, mangez. Il bouge plus.
La motivation de l'Itariel est contagieuse. Je vois pourquoi les hommes la suivent. Mais... Tu sers le maître de lumière. Caline de mine, là. Je me moque des risques. Ah ouais, est passé. Le magicien blanc a une mauvaise influence sur la reine. Seule la furtivité peut dégager la voie à l'Itariel et ses hommes pour qu'ils trouvent l'élixir. L'émotion t'égare. Prendre des risques inutiles ne sert à rien. Ce remède va libérer l'esprit de la reine et nous apporter des réponses sur ton passé. Puisse la vérité justifier notre alliance avec ces gens. Il va enfin y avoir du changement. Le capitaine s'est fait tuer. Hein ? Les nouveaux vêtements. Qu'est-ce que c'était ? Pour le
vraiment passé un moment sanglant ensemble. Ah ouais. Ils doivent savoir qu'elle prendra tous les risques pour protéger leur reine. Elle sait que sans la clé de voûte, l'arche s'effondrera. Pourquoi nous salir les mains avec le sang des Uruks quand un Karagor peut le faire à notre place? Il suffit de ramener un Karagor pour que tout l'endroit sente le fumier. De l'Itariel est contagieuse. Je vois pourquoi les gens la suivent. Oui. Apportez ça à la reine, immédiatement. Je doute qu'un remède humain puisse guérir sa reine. J'espère que ça soignera votre mère. On a trouvé ce message. Les chefs orques vont se réunir près du village de pêche. On pourrait leur tendre un piège. Je vous dois des remerciements. Heureux de pouvoir vous aider. C'est une chance de vous avoir. Ce n'est pas ton peuple, Talion. Souviens-toi de ta femme et de ton fils. Je ne vous retarde pas. Oui. Chaque minute est précieuse. On voit la force de l'Itariel à sa façon de diriger. Elle transparaît dans le respect et non la peur qu'on lit dans les yeux de son peuple. Trancher la tête de Grublik quand je... Passe dans son dos! Sale traître! Les âmes sont si faibles! Nice! Là au moins ça la marche. Artefact Dag. Artefact Dag, Artefact Dag. En haut de la tour. Ça brise, Titi. Thank you.
C'était un peu comme s'il ne voulait pas qu'on s'en souvienne. Au bout d'un moment, on les appelait simplement les deux Istari, et parfois juste le grand et le petit. Je ne saurais pas dire pourquoi j'ai oublié. Je me souviens du plus grand qui nous racontait des histoires d'une ville de gobelins, d'un homme qui pouvait se transformer en ours, de l'époque où... Enfin, j'imagine qu'il s'en fichait pas mal de savoir que certaines de ces histoires étaient à dormir debout ou que d'autres auraient fait pâlir même un cadavre d'effroi. Quand le plus grand est parti, il a pris sa canne avec lui, mais il a laissé un bâton de marche. Il était recouvert d'une myriade de petites encoches. Ça lui servait à se rappeler quelque chose. Ça ne fait aucun doute. T'en pas bizarre, donc c'est tout. Ces magiciens, les Istari, qu'est-ce que tu sais d'eux? Leur pouvoir est plus grand que le tien. Je n'ai pas encore été confronté à eux. Saruman le Blanc est le chef du Conseil Blanc. Son savoir sur les anneaux de pouvoir est immense. C'est cette mission en vain de maintenir l'intérieur de l'île de distance et les tirer de fort, là, ça le monte du même coup. Slang Zang! Éviter les portes flambeaux, pas de chaque nid de gueule, sans faire le mur, et tirer des devants. Le chef depuis le début. Où est-ce qu'il se cache? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Avec les autres limaces. C'est le pire chef qu'on ait ouais, jamais. C'était sans doute des rats. On trouvera autre chose à tuer, ne vous en faites pas. Mon imagination doit me jouer des tours. Restez sur vos gardes au cas où. Où est-ce que t'étais? À la chasse! Vous avez entendu ça? J'ai réussi à survivre. Ils sont trop préoccupés par le Tark pour s'intéresser à toi. J'ai vu quelque chose. C'est juste mon imagination. Eh bien, j'espère que t'as raison. Y'a quelqu'un qui rôde dans le coin? Mon imagination me joue des tours. Eh bien, quoi que ce soit, ça ferait bien de garder ses distances. Quelqu'un l'a tué. Vous avez entendu ça? Assez cherché! Le Rook est mort, et alors? Juste de le vent, j'imagine. Au boulot! Ah!
Ça devait juste être des rats. J'ai demandé aux humains s'ils voulaient plus. Il y en a déjà pas assez pour nous. Pourquoi t'as fait ça? Pour voir cette lueur d'espoir dans leurs yeux. Ah bon? Non. Quelqu'un l'a tué! Thank you.
Je veux qu'on veille en permanence sur la reine Marwen. Je crains qu'elle ne se fasse du mal. Maintenant, laissez-vous. Mère, que vous arrive-t-il? Ce don vaut-il le prix que vous payez? La fin des ténèbres vaut tous les sacrifices. Tel est le courage de Nurnen et d'Ariel. Nurnen a besoin de vous, mère. L'avantage que nous apportent ces visions ne vaut pas votre mort. Détrompe-toi, mon enfant. J'ai eu une vision du Créateur de l'Anneau, Celebrimbor, en personne. La survie de Nurnen ne peut passer que par lui. Cette terre est florissante et bien verte. Mais la désolation la guette. Ces eaux sont corrompues, et les créatures qui y vivent perverties. Mais elles alimenteront la machine de guerre de Sauron. Drainage de combat et éradication pour accéder à cette mission de légende de l'épée. Ah. Éradication. Drainage de combat et éradication. Ah, éradication. Et la suite...